sida ou le compte rendu de cette réunion. Merci Daniel, m'a salué. Presse parler, écrit et télévisé, hein, les presse en ligne. Remercie nous pour présence aujourd'hui, nous venons en couverture. Mais un moment spécial qui c'est les affaires sécurité des pays, hein, qui c'est plus gros concerne que pays en ligne aujourd'hui. Hein. Avant de commencer, ma présente condoléances moi et condoléances tout l'État à famille directeur prison civile Kwadwo Boukaya, inspecteur Paul Joseph Hector et dernier victime nous en date ces médecins qui tombaient en bas balle assassine bandit en d'un pays à nouveau nous profitons l'occasion de nouveau sympathie nous bayou by famille médecin. Je profite pour me féliciter les policiers dans le commissariat Lestel avec accompagnement et collaboration de la population qui est arrivé freiner Zach qui était sorti pour le fait dans la zone. Après l'Ester, parce que c'est l'Ester action arrivée, nous connaissons ça, il y a un gros chef bandit qui était sauvé dans la prison qui est tombé. Nous voyons un gros coup de chapeau par les policiers ça, et demander au directeur général là, pour le capable toujours motiver ce type d'action ça, dans le sens positif, leur arrivée. Insécurité, kidnapping. Ça, c'est l'État qui a le problème en premier parce qu'il y a une instabilité politique. Parce que ce n'est pas bon pour le peuple. Et pas bon pour l'économie du pays. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour personne. C'est pour ça que nous dans l'État, c'est gourmet contre kidnapping et insécurité pour que la population vive en paix. Nous sommes fait gros rencontre ça après. CSPN qui était fait hier soir. Et il y a des décisions que nous prenons. Il y a des décisions nous connaissons que nous ne sommes pas capables de dire devant la presse. Mais il y a des décisions que nous ne parlons pas les deux là. Tant coup, décision qui prend pour que l'instruction baille nos affaires. Kidnapping, non, parce que kidnapping n'est pas jamais fait pour le parrain, Ça veut dire que le kidnapping a fait, il y a toujours des auteurs intellectuels derrière. C'est pour ça que nous prenons décision pour que UCREF, ULCC, ministère des Finances, Banque République d'Haïti, tout le monde net, mettent tête ensemble pour nous commencer à suivre le mouvement aussi de l'argent. Avec bon genre d'outils légaux qui ont fait dans le système financier, parce que dans pile d'informations que nous gagnons, mais nous voulons avant nous arriver dans les affaires qui ont mais il faut que nous gagnions preuve et bon genre preuve. C'est pour ça que nous demandons toutes les institutions pour nous. Comment ce travail et chef CSPN, premier ministre, il prend le travail pour rapidement nous mettre l'institution ensemble pour nous capables de joindre bourge en preuve sous des allégations, des informations que nous avons. Nous rencontrons tout, moi passer l'ordre pour un contrôle qui fait en douane pour nous renforcer le contrôle. Par exemple, contrôle qui pour fait particulièrement dans Port Saint-Marc, dans Port Cap-Haïtien, dans Port Lafito, c'est côté plus armes et munitions passées, entrées en un pays. Et sous même aspect ça, tout, nous demandons au Premier ministre pour presser les rencontrer avec le ministre des Affaires étrangères, pour rencontrer avec l'autorité américaine,
sur question ça pour être qui plus bon coup mais que nous ga joindre parce que munition yo avec en pile dans zam sa yo yo sorti dans des conteneurs de fait personnel qui sorti États-Unis qui entre en Haïti pour nous qui plus bon contrôle que nous ga mettre pour moun sa yo si c'est des haïtiens qui a vivre aux États-Unis pour nous donner une possibilité pour nous capables faire rentrer ça veut dire déporter pour nous-mêmes pour qu'on vienne plus j'ai peine dans pays et si c'est des étrangers que yoyé pour nous qui pi bon manière deux pays qui met tête ensemble pour nous arriver joindre bonne solution parce que j'en nous connais là c'est pas zamyo avec munitions c'est pas pour compte yo y a le monter dans conteneur yo yo rentre en Haïti ça veut dire yo gen parrain yo gen marraine qui mène yo dans conteneur et pour conteneur ça arrive dans pays là. L'autre décision nous prenons, même si nous connaissons pour affaire coronavirus, nous avons créé une ligne rouge, une ligne téléphone rouge. Nous demandons au ministre de la Justice pour rapidement gagner une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire que la police annonce nous que nous avons gagné un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que moun a bien pour vous faire. On croit que vous arrivé jusqu'à 250 appels heure. C'est-à-dire c'est pour permettre que un monde qui a une information sous affaire de sécurité, ça veut dire qu'on va arriver devant ou elle, faut nous suspendre dans les affaires G-Web Bouche PA. C'est G-Web Bouche Palais. Et là, ça, moun l'a toujours kembe anonymali, nous pas besoin qu'on ait qui moun, c'est justement c'est notre collaboration police-population. Et l'autre point encore important que nous chita sous lit, nous parler de lit, c'est les affaires compagnie sécurité. Parce que grand pile compagnie sécurité qui importait munitions avec zama fedou dans le pays. Nous croyons que il y a un contrôle qui va le faire pendant 5 dernières années pour exactement qui quantité, qui type de armes que compagnie ça ont importé, qui côté yo est, qui est-ce qui observe avec yo et qui quantité munitions tout pour nous comparer entre pour nous quantité munitions que vous commandez yo avec utilisation yo pour nous garder est-ce que ça yo est soutenable. On croit que premier ministre là qui c'est chef CSPN là l'a gagné pour le faire pour demander la police pour faire travail ça. Et faut pas oublier que kidnapping dans tout à chaque moment qu'on kidnapping qui fait ça crée un émoi non niveau population c'est sous émotion mon yo qui travaille. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour que l'heure de kidnapping qui fait pour nous demander population pour l'accompagner nous parce que l'heure yo barre route pour être un kidnapping c'est compliqué, il y a compliqué problème là. C'est pas résoudre que résoudre lui. Ça veut dire accompagnement pour population, important qui va permettre que en temps réel automatiquement que kidnapping en fait nous-mêmes nous capables connaître et là ça collaboration population c'est lui-même qui pour ben nous ça n'a pas cherché. Maintenant pour affaires auteur intellectuel kidnapping. Pas oublier, nous te songé dans l'année 2013-2014, comment kidnapping, nous avons dit depuis 2011, comment kidnapping a fait ravage dans le pays. On seule arrestation a été faite, et puis kidnapping dans le pays. Et nous songé dans l'année 2016, disons 2015-2016, kidnapping, jusqu'en 2017. Kidnapping n'a pas zéro. Ça veut dire, pour une raison pour l'autre, disons, je vais nous parler de 2017, même 2018, parce que en fait, c'est, nous commençons qu'on est gros vague kidnapping dans le pays à partir de décembre 2019 pour arriver à un moment à parler là. C'est pour dire nous que kidnapping n'a pas l'autre objectif qui n'est pas objectif seulement pour kidnapper les gens pour faire l'argent, mais il y a un objectif politique tout. C'est pour ça que nous prenons disposition
pour que bon gens contrôlent mété à tous les niveaux dans l'État pour nous capables arriver faire face à situation insécurité ça parce que insécurité a n'est pas bon pour personne nous même qui dirigeons le pays si insécurité ça n'est pas tab bay problème c'est pas notre activité ça n'est pas bien matin nous tapons l'autre et me profiter féliciter comportement démocratique tout le monde qui était dans la manifestation hier qui aidait la police à faire travail d'ailleurs m'a encouragé tout le monde qui a l'idée pour ta manifestant dans le pays a pu toujours qu'aimer même comportement non violent ça qui bail la police possibilité pour sécuriser vie à bien réellement parce que craser briser c'est pas un bagage qui bon c'est pas un bagage qui capable non monde qui a manifesté pacifiquement nous travaillons et grand pile effort qu'a fait dans niveau police là forme dit décision finale que nous prenons nous prenons décision pour nous mettre nos cellules anti kidnapping rapidement pour renforcer cellule anti kidnapping dans des CPJ mais c'est pas monde qui sont dehors qui bin dans cellule ça forme nous clair pour nous comprendre ça ça veut dire son synergie pour le créer entre toute entité qui dans l'état déjà mais parler de sécurité publique avec nouveau secrétaire d'état sécurité publique là nous voulons parler de ministère intérieur nous voulons parler de toute l'entité qui travaille dans affaires renseignement et intelligence dans le pays pour nous mettre tête ensemble sous leadership directeur général de police là pour nous capables de mettre un bon contrôle dans affaires kidnapping là pour affaires équipement yo faut dire que nous dans phase finale pour nous recevoir des équipements qui permettent que la police avec DCPJ travaille pour dans temps réel nous capables de gagner bonne information sur toutes actes kidnapping qui a fait en dans pays et décision encore que nous prenons décision pour que au niveau la police il y a un bon genre contrôle interne qui mettait et directeur général police qui confirmait que le commencé d'ailleurs et ceci depuis plus de 2 mois avec contrôle interne ça qui permet confiance que population doit bien dans la police à les renforcer et nous voilà confiance ça de commencer renforcer qui pour permettre que police là jodia les gars fait travail comme ça doit ça veut dire dans toute institution publique comme privée il y a un problème ça veut dire qu'il y a des monde qui là qui fait des ordres mais là monde fait des ordres il y a pas quand regarder par exemple dans la police il y a inspection générale dans tout l'autre côté dans l'état tout là on des ordres qui fait monde qui fait des ordres là il y a des entités qui là pour capable rappeler la l'ordre et dans rappeler la l'ordre li kon rive c'est juste ka révocation ou même parfois emprisonnement c'est pour me dire que nous-mêmes au plus haut niveau de l'état nous pas ménager effort nous pour nous capable mettre pays à dans sécurité parce que en fait je dis moi en pile monde parler de problème insécurité a mais faut me dire que problème insécurité ça que nous vivons dans le pays aujourd'hui, il n'est pas supposé un problème côté, c'est un seul groupe qui est concerné pour porter solution. Nous-mêmes, nous pas nous, comme l'État, c'est travail, mais travail n'a pas travail là, nous dit nous besoin d'accompagnement de tout le monde. Que le monde qui est dans l'opposition politique, que le monde qui est dans le bon pouvoir, nous besoin d'accompagnement de tout le monde pour nous porter bon genre résultat à peuple là. Pour que sécurité tourne dans le pays. Et en parlant de monde qui est en opposition politique, je profite de l'occasion pour me dire tout que à chaque fois que le pays a une turbulence politique, c'est pour nous regarder à qui est-ce que la crise a profité. Il a toujours profité à bandits, il a toujours profité à monde qui nageait dans des eaux troublées. Et c'est pour ça que je dis, je crois que c'est important
pour acteurs politiques dans notre pays, nous capables de mettre tête nous ensemble, nous s'y attendons, pour nous capables de jouer une bonne solution côté pays ça, parce que nous voulons bavler, moi-même, 37 ans après que nous entrons dans l'ère démocratique là, moi crois que bagayo pas marché bien. Moi l'exemple Jérémy que me dit Jérémy samedi au magistrat dans discours il dit ça a 35 ans depuis que Jérémy était en courant après 35 ans ça veut dire c'est pas possible. C'est pour me dire nous que aujourd'hui hein, c'est pour moment arrivé pour nous mettre tête nous ensemble pour problème comment nous adresser ensemble. Nous pas obligé que aujourd'hui c'est équipe ça qui sous pouvoir on frappe parce que demain c'est craser pour nous gazer pour nous même pour nous prendre pouvoir. Non, c'est pour nous mettre tête ensemble pour nous capable sortir pays parce que moi même qui parle avec nous là moi dans dernière année madame comme président ça veut dire année prochaine dans les comme ça soit président qui vient dans pays et là le président ça venir moi nous même par exemple si président ça il pas sorti dans même bloc politique avec nous seul ça m'a bien c'est travailler avec lui pour accompagner pour expérience comme ancien président pour venir mettre au service lui pour le mettre service par dans service peuple là. Moi remercie encore tout membre presse qui était présent population m'a dit nous qu'il de confiance nous dans autorité qui là pour mettre sécurité dans le pays la police en particulier n'a travail pour que sécurité retourne blaï dans famille haïtienne. Encore collaboration nous pas ménager li bay moun qui responsable sécurité yo veut parler particulièrement la police bonjour collaboration avec information qui a besoin parce que me connais un gros travail qu'a fait parce que sous kidnapping nan nous commencer à identifier et jodi proche kidnapping yo on croit tout moun kap gade m kap tande m la nous entend ouais ça veut dire n'a bataille nous-mêmes au niveau l'état pour nous mettre tout bandit tout vagabond hors d'état de nuire parce que j'aime toujours dire la vie en bandit écoute coûte ça veut dire il pas durer trop longtemps l'on choisit ces métiers ça pour faire son métier qui faut partir très jeune qui faut prendre pension très jeune et pension prend tout le monde comme l'on bandit prend pension qui bol aller ça veut dire jodi nous pas ta remet parce que au bandit que ou c'est un citoyen normal ou c'est haïtien. Ça veut dire aujourd'hui, le que nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous dit non, ça veut dire nous-mêmes qui bandit, si vous ne pouvez pas comprendre que l'État dit non, le ça, ou l'État, c'est faut comprendre qu'il dit non. Merci un peu.